Tous et à toutes, bienvenue pour cette cinquième vidéo. Donc aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous apprendre un nouveau tour de magie. Donc, là. Voilà. Donc, là d'abord, j'ai un simple paquet de cartes. Voilà. Maintenant, je vais dire que je vais faire vous l'avez bien regardé. Maintenant, vous l'avez regardé, je vais la mettre dans le bac. Je vais la perdre complètement. Donc là, elle est complètement perdue. Maintenant, je claque les doigts comme ça, que j'étale le papier comme ceci. Bah, seul votre carte est retournée. Attendez, faut que je la trouve. Alors, et voilà, c'est celle-ci. C'est la seule qui était retournée. Donc voilà, maintenant nous allons passer l'explication. Donc l'explication est très simple. Vous prenez juste, les trois premières cartes du dessous. Vous les retournez. Vous avez pile ou face. D'un côté, vous avez vraiment pas. De l'autre côté, vous avez. Voilà. Donc là, vous allez prendre du côté de là qui a toutes les cartes. Vous allez demander à la personne de choisir une carte. Elle vous a choisi celle-ci. C'est le 3 de pique. Pendant son attention, la carte, vous allez lui demander, enfin, pendant son attention, la carte, vous retournez votre paquet, et là, c'est la triche, c'est les cartes de triche. De mon côté, c'est les cartes de triche. Voilà, faites bien attention qu'il ne voit pas, vous le serrez bien. Là, vous prenez sa carte et vous la mettez en plein milieu du bac. Ne lui montrez pas comme ça, sinon il va. Donc, vous le serrez bien. Hop. Soit c'est vous qui faites quelque chose au-dessus, soit vous dites à la personne de souffler dedans, et là, cachez la première carte, je fais comme ça, vous faites comme ça, je vous étale, et là, vite, voilà, c'est bien, j'ai tout étalé le paquet, donc, là, et là, je trouve juste sa carte, elle est retournée, et c'est celle-ci, la 3 de pile. Donc si ce petit tour de magie vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et mettez un petit pouce bleu s'il vous plaît. À la prochaine.